Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 33 de mon let's play sur le jeu. C'est Havel Weaven, le mal dedans, le mal intérieur, mais sur le deuxième DLC, The Consequences, où on retrouve notre charmante... Kennel ! Voilà. Kidman. Notre charmante Kennel Kidman qui a toujours pas de voix. Oui, pas de voix encore. Mais on a décidé de terminer là. Kennel repart à l'aventure, elle est motivée. Le mal. Sans voix, elle va vous offrir des cris de l'amour. Et tout les ça. Mal, le mal de voix. Le mal de voix, voilà, le mal de voix. Et on reprend ma Kennel, vas-y, appuie sur le... C'est parti, on reprend. Continue. Alors on tourne vraiment quasiment tout en même temps, parce que c'est la dernière semaine, hein, je rappelle que Kennel est avec moi. Avant un petit moment du genre 2 mois, 3 mois et demi, facilement. Donc il faut que j'ai les épisodes pour que vous ayez aucune coupure. Donc au taquet la quenelle, je la fais bosser. Ouais, mais je le veux, donc... Attends, ça commence bien. Miaou. Donc on était où déjà? Là. On avait survécu à plein de choses de l'horreur de l'amour. Oh. On en avait appris pas mal sur Ruvik et Marcelo. Et sur Mobius qui est relou. Et on avait échappé à la mouche, on s'en souvient. Allez, vas-y. Non! Regarde en hauteur. Ok. C'est un four micro-ondes. Tu veux voler? Kennel, elle va voler, mes amis, Kennel. C'est quoi? C'est bizarre. Regarde en l'air. Je sais pas ce que c'est. On dirait un truc de bébé. De bébé? Je sais pas ce que tu vois de bébé là-dedans. Ah non, c'est des lampes. C'est des lampes. Ok. C'est du sang ou... C'est de l'eau. On a l'impression qu'on a la tête à l'envers. Et on va y aller, Kennel. Non. Il y a un truc là-bas. Mais c'est là d'où on vient. Bon, bah, t'as plus qu'à prendre l'échelle, alors. Vas-y. Va dans le trou. Et là, s'il y a quelque chose qui me chope le pied... Ah, là, on s'enfonce dans le trou noir de Kennel. Non. Mais c'est quoi ce bordel? Vous avez intégré cette équipe pour une bonne raison. Castellanos, Soda, ils ne savent rien, mais ils cherchent des réponses. D'accord, c'était une stop. L'un d'entre nous. Mais c'est peut-être l'occasion de les supprimer. Vous avoir tous au même endroit nous fournira des opportunités. Il recherche la femme? Sa femme? Oda aidait Castellanos à enquêter sur sa femme. Et notamment sa fille. Oh! Ooh, nice body! Ça, c'était du fanservice pour vous, les amis. On sait qu'il enquête sur sa femme et notamment sur le fait que peut-être sa fille ne serait pas morte. Intéressant. Il y a de la lumière là. Ouais, on dirait qu'on est au poste de police. Je suis au poste de police. Alors, Zelnek, qu'est-ce que je fais là? On va avoir Némésis qui va sortir tout d'un coup, vous allez voir. Kennel qui va sauter. Non. Ok. On peut rien faire pour l'instant. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est vite. Y a pas l'air d'avoir grand monde. Essaye d'ouvrir les portes au cas où. Police! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait police. Police! Vas-y, fouille. Ils ont même reproduit les salles d'interrogation avec la salle où on peut voir vu que c'est une vitre teintée. Ouais. C'est bizarre.
police. Elle est où la pop-porte? Elle est là-bas, la pop-porte. Va chercher la pop-porte, quand même. Regarde les affiches, juste pour voir. Chrisom City Police. KCP. Missing. Ouais. C'est tout pourri. Police. It's Colonel Kidman. Au rapport. Putain, il y a plein de missing partout. Tout le monde, il a disparu. Oh, tiens, prends. Prends de la musique. Prends-le. C'est bon, ça. Ça devait être le truc de Oda. Parce qu'il est japonais. Ouais. Et alors, il a des katanas sur son bureau. C'est épique, ça, bien sûr. Tous les policiers japonais, ils ont des katanas. Ouais. C'est un petit peu vide, hein. Madame Ben. Attends. J'entendais des bruits. Moi aussi, j'entends des bruits. Non, mais genre quelqu'un qui toussait. Ah bah ben, d'accord. Comment va Lily? Super, tout va bien. Mais j'aurais préféré que ma femme travaille moins pour prendre soin d'elle. Elle a écourté son congé maternité, hein. J'imagine qu'elle prend son travail au sérieux. C'est l'un des meilleurs flics que je connaisse. Mais on peut se débrouiller sans elle un peu plus longtemps. Mieux vaut pour toi qu'elle t'entende pas, Joseph, ou tu vas le regretter. On dirait que c'était bien avant que j'arrive. Ils sont beaucoup plus jeunes. Ouais. Mais le profil de Sébastien ne mentionnait pas de femme. Pas d'enfant non plus. Ah si si, il a eu une femme et un enfant. Et son enfant est soi-disant... Tiens, va fouiller les trucs. Soi-disant morte. Mais ça, je crois pas. Hein. Je crois vraiment pas. Je pense que... Police. C'était lié à police, à Mobius, et qu'il y a eu quelque chose comme ça. Police. Encore une salle d'interrogatoire. Vas-y. Et je pense qu'il y a vraiment un truc qui est caché. J'aime pas le mot exit. Avec en rouge. Exit. Police. Vas-y, il neige maintenant. Non, il pleut, Gunnel. Oh, il pleut. Et il fait vraiment pas beau. Police. Écoute, Seb, il faut qu'on parle. Ces histoires de complot que tu racontes, ça devient ridicule. Ne parle pas de ça devant le capitaine. Je tiens une piste, Joseph. Tu peux pas me cacher des trucs, toi aussi. Mais non, Sébastien. J'essaie de t'aider. Je veux t'aider. Mais il faut que tu y réfléchisses sérieusement. Ta fille, sa mort a été un choc pour tout le monde. Mais ta femme est... Mira m'a quitté, Joseph. Elle est partie. Au moment où on avait le plus besoin l'un de l'autre. Qu'est-ce qui lui a pris? Il faut que je sache. Je me fous de ce que ça coûtera. Sa fille et ensuite sa femme? Oh. L'une après l'autre? Pas étonnant qu'il m'ait toujours paru renfermé. Police. Je sens qu'on va apprendre des trucs. Ouais. Je le sens dans cet épisode-là. On apprend des trucs. Mais ce qui est étonnant, c'est que Kidman soit dans un univers de... De police. De police, surtout qu'elle n'était pas censée être là. Ça a niqué une tête. Kidman. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Ah. Elle ne sait quasiment rien sur elle. En voilà plutôt interroger les témoins. Qu'elle se fasse la main. Il s'est dégradé, hein. Non. Elle vient avec nous. Je vais la former. C'est ma responsabilité. Écoute, tu m'as dit que c'était personnel, et ça m'embête d'insister, mais je ne veux pas qu'on soit ralenti par des bleus à cause de ta culpabilité. Oh. Sébastien. Joseph et lui n'étaient pas censés être impliqués. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ok, et on avance là. Plus je... On apprend des choses. Mais au moins c'est calme, c'est un épisode beaucoup plus calme que la dernière fois. Tant mieux. Donc ça repose les nerfs de la queue d'elle. Parlons pas trop vite. Parce que là on n'est plus dans le même couloir. Hein. Avant il y avait des fenêtres. Alors il y en a plus. Et là il y a quelqu'un qui a pété encore. Mais c'est Crimson. Oh putain, on est dehors. C'est pas possible. On est déjà là? Je veux pas! Les poissons rouges! Bico, la lumière. Un prototype du stèle à Bico. Oh là.
Beacon. J'espère simplement pouvoir y arriver avant lui. Alors là... Vous sentez le retour du poisson? Le retour du poisson rouge? Pas que du poisson. On est déjà à Beacon, quoi. Nous a fallu à peu près 18 épisodes, voire même plus. Il y a une... Par là. Putain, mais même dessus. Vas-y, elle. Accroche-toi! Au revoir. Vas-y, cours, Kenel. Tombe pas. Là. La poutre. C'est bien comme tout s'enchaîne correctement, c'est ça qui est beau. C'est par là. Attention, Kenel, baisse-toi. Je peux le pousser d'après toi? Je pense, ouais. Un coup de high kick. Bye bye. Donc ça, c'était... Celui-là. Non, on viendra pas. Voilà, c'est un tuto pour te dire que tu vas en avoir d'autres et que tu vas devoir les jouer un peu comme ça. Ouais, c'est clair. Allez, c'est parti. Après 10 minutes de tranquillité, Kenel va battre des ennemis en les balançant par le dessus bord. Ou pas. Oh, quand même, il y a quand même une sacrée hauteur. Ok. Ou alors elle va courir pour essayer de trouver la porte, comme d'habitude. Vas-y, sortez-moi le sniper que je regarde s'il n'y a pas des ennemis. Des ennemis. On n'est pas dans Mass Effect, il n'y a pas de... Oh, bon, ça va, il n'y en a qu'un seul là pour le moment. Oui. On devrait pouvoir le gérer trop lolol facilement. Alors, regarde, attention à droite. Quoi? Attention, attention. Regarde à droite dès que tu peux là. Ok, donc ça c'est fermé, bon, très bien. Ok, c'est fermé là. Faut que tu passes par là. Ouais, regarde là. Il n'y en a pas qu'un là. Oui, il y en a. Tiens, attends qu'il s'approche du mur, du truc, et après vas-y, tac, tac. Vas-y, 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 là, là, là. Là, je suis parfait. Là, il est en forme, là, il veut se faire pousser. Vas-y! Au revoir! Voilà, là, il demandait que ça, le monsieur. Alors là, il y a un trou ici. Ouais, va dans le trou. Oh, il y a une hache en plus. Nickel! Ça dépend, hein, si il est poussé. Ok. Donc lui, c'est soit tu le pousses, soit tu lui mets un coup de high kick dans la tête. Mais si tu pouvais garder ta hache, ça serait super. Vas-y. Non, là, il va pas se retourner dessus. Je pense que tu peux y aller tout doucement. Et après, faire... Pai pai. Oh, non. Non. Il t'a entendu, que d'elle court. Va te cacher. Ouais. Vas-y, regarde, regarde, regarde où il est. Vas-y, genre. Genre, il peut pas passer. Bon, merci de jouer, on s'en va. Vas-y, approche-toi de...
Non, reste en bas, tu peux y aller. Ou pas. Va-t'en. C'est bon là, c'est bon appétit. M'a pas vu le con. Bye bye. Nickel quenelle. En plus t'as gardé ta hache, c'est ouais. Super. Donc on avance et quenelle est vraiment devenue forte. Good job. Elle gère dans le niveau infiltration. Contrairement au début. Ouais. Mais bon, on s'améliore, hein. Vas-y, c'est tombé. Allez, direction l'hôtel. Good. En plus, on a chopé la hache. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est GG. Bacon est proche. Je dois continuer. Bacon. Bacon, il est proche. Je dois continuer. Oh putain, on va se retrouver avec plein d'ennemis après. Comment tu le sais ? Tu t'en souviens quand il a fait le poisson rouge ? Et que nous on était coincés, dehors, et qu'il y avait des tonnes d'ennemis ? C'est ça. Ah oui, ça y est. C'était moi qui... Au secours, Sébastien, tire des trucs. C'était moi qui le faisais en plus. C'est vrai qu'il y a ce lien là. Et après, il y avait la grosse bus. Araignée. Oh. Ok. C'est ça, d'appuyer sur toujours les boutons. Encore. Il veut pas. Et un bruit bizarre. J'aime pas trop ça. Je parle un peu plus. Oui, excusez-moi. J'ai dit j'aime pas trop ça. Avec sa grosse voix d'homme. Comment on entend quand elle appuie sur les boutons? C'est vrai? Ah ouais. C'est ça qui est marrant. Ah là-bas, il y a un truc. Même si vous n'y tenez pas, je vous remercie. Moi aussi. Je ne sais pas ce que je serais devenue si ouais. Vous ne m'aviez pas recrutée. Là, il y a quelque chose. La marque. C'est visible. Morceau de sculpture, ce fragment de marbre trouvé dans le bureau ressemble à une décoration. Ma seule issue. Attends, il y a une porte là. Je vais dans la porte d'abord. Ouais, va dans la porte. Mais vas-y. Y'a rien dans la porte. Y'a jamais rien dans la porte. Là, y'a un trou. Si. Ah, ok. Tu vas devoir être obligé de récupérer les trucs pour après faire... Ok. Il en manque une troisième. Bah, là-bas. Et bien sûr, y'aura des bébêtes. Y'a toujours des bébêtes. Ah, oh, allez, là-bas. J'aime pas trop ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Police. De toute façon, ils nous ont habitués. Dès qu'il y a une énigme, okay. Dès qu'il y a des trucs à se cacher, il y a des bébêtes. Avant de prendre la... T'as une hache. Oui. Tu peux te la faire tranquillou de l'amour. Comment je vais la voir? Bah, tu te mets derrière lui. Ou elle. Je crois que c'est une madame. Ouais. Tu fais demi-tour. Tac. Et voilà. Et avant de le prendre, tu vas visiter la salle. On sait jamais. Il va y avoir du trésor. Ou pas. Good.
Super. Non, je pense qu'il y avait qu'un seul. Attends, va là-bas. Oh non. Je pensais qu'il y avait quelque chose. Oh là. Vas-y. On s'en sort. Ouais, on s'en sort. On s'en sort très très bien, je... Oh non, il en manque encore. Enfin... Mais non, rien. Ah oui, d'accord. Faut que tu la places. Je pense. Voilà, bien. Voilà, on est GG. Bouya. C'est votre dernière chance de faire vos preuves, Kilt. D'accord. Ne vous décevez pas. Non. Quenelle, tu fais pas ce qu'il te dit. Le garçon. Tu tires sur le garçon. Arrêtez. Sortez de ma tête. Voilà, tu tires sur qui, sur Leslie dès que tu le vois. Je peux pas tirer. Tu lui mets des coups de torche. Je fais dire high kick. C'est donc Kenel qui a une voix plus forte que la mienne. Des high kick. Regarde, comme ça. Oh, joue du piano. Joue la sonate du piano de Claire de Lune. Ça marche pas. Oh, yes, je vais pouvoir sauvegarder. Donc là, ça va être encore du happy. Salut Minou. Coco Minou. Allez, on fait un petit, une petite séance de touches. Enfin, de caresses, je veux dire. Oh, la chachate. Nouvel emplacement. Ça, j'ai... Ouais. Hop là. Au revoir. Bouge. Ça fait bobo à l'épaule. En fait, j'aime bien Kidman, du coup, je vais la dessiner. C'est vrai? Ouais. Tu vas dessiner Kidman? Ouais. Bah, apparaissait un peu lourdingue dans le let's play. Ouais, mais là, elle mais maintenant qu'on connaît, qu'on commence à connaître un peu son histoire, bah, on peut voir qu'elle avait des motivations et qu'elle est, elle est pas si méchante que ça au final. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Et tu vois ce que je regrette, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que ce DLC fait partie intégrale du jeu, je trouve. Ouais. Et c'est un peu comme dans Sébastien. Oh, d'accord, on est là. Et Joseph. Il n'y avait pas Joseph. Qui vous est attiré là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans Resident Evil 4, on avait l'histoire de Resident Evil 4 et on avait, dès qu'on finissait le jeu à une certaine difficulté, ou terminé une fois, je crois, on avait la vue de Ada Wong, si vous savez. Et on ne payait pas pour la suite. Et ça donnait une alternative, un peu comme celle-ci, clairement. Clairement lié, hein, ça se... Sauf que là, bah, ils l'ont mis en DLC. Je trouve ça un peu petit. Voilà. Je dis ça, je dirais. T'as craché sur l'écran. Et j'ai craché sur l'écran. Je suis désolé. Et donc, on se retrouve en haut. Là où, tu te souviens, on avait le passage là avec tout le monde qui nous tirait dessus. C'était relou. Là, bah là. Bah, on est pile poil à l'endroit d'ailleurs. Ouais. Attention, ils peuvent nous tirer dessus. Va falloir que tu te caches, Kenel. Oh putain! Vas-y, casse-toi! Merde. Oh vas-y, t'as des balles! T'es mort, toi. Merde. Enfin, okay. Tire sur le baril. Tire sur les barrels quand ils arrivent. Attention, t'attends, vas-y, là, maintenant. Bien sûr. Nickel, fonce. Comment on... Oh, prends les balles. Comment on... X, quand tu vises. Non. Ah, c'est... Est-ce que tu peux sauter là? Non. Ok. Tu peux sauter là? Non. Non. Je peux pas. Bon bah alors du coup c'est la porte. C'est la porte. Des balles encore.
tout ça. Là ? Là, il nous en donne pas beaucoup, Handball. Il va falloir se la jouer en mode... Oh, oh. Oh, non, t'es sérieux, là ? Tire dans la tête. Enfin. Ah voilà. Voilà. Oh putain. Voilà. Oh la gérer la quenelle, elle a géré. Prends les balles, prends les balles, prends les balles, prends les balles. Oh, ils t'ont vu. Il y en a plein d'autres. Recharge. Le gars qui stresse la quenelle, vous savez. Putain, mince. Oh non. Cours. Ah, cours. Oh là là. Je peux pas courir. Bah oui, t'as plus assez de vie. Retourne-toi et tire dessus. Ah. Oh putain. Dommage. Ah, il y a eu un kick. T'as kické. Il a kické la quenelle. Mais je lui défonce ça trop nul. Dommage, c'était pas mal, hein. T'avais bien tiré tout ça, poli, poli, poli. J'ai fait 3. Comment on dit la tête déjà? Headshot. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh oui, faut pas parler trop fort. C'est ma voix masculine. Prends les balles, il y a des balles. Je peux. Recharge. Je vais me rappeler. Ok, 2. Putain, mais Francis, casse-toi! Francis! Moshi! Non, c'est mort, Kenny. C'est mort, Kenny. Mais vas-y, mais pourquoi tu fais ça à une femme? On tape pas une femme! Kenny est décédé par 2 fois. Ok. XXX. Je fais. On peut pas leur écraser la tête? Elle a plus l'habitude de tirer, la pauvre. Elle a toujours l'habitude de courir maintenant, Kenel. Oui. De fuir! Je peux pas là. Attends. Tire, recharge. Merde, je me suis trompée. Va prendre les balles. Ne bouge plus. Enfin, recharge et... Sentez la pression. La pression d'une quenelle. Vas-y, là. Pourquoi ils ont pas donné le fusil à prendre? Attention, ils sont là, donc tu dois... Tire sur le bidon. Recharge. Putain, mais tu fais chier, toi. Prends les trucs, s'il y a des balles, regarde, vas-y. Recharge et fonce là-bas. Regarde à droite. Là-bas, il y a des balles. Ok. Bon, ça va, il n'y avait pas trop d'ennemis. Bah, heureusement. Par contre, là-bas, il y en a pas. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Non, ça va. Par contre, là, tu vois, t'as des balles maintenant. Yeah. Ça signifie que ça y est, ils ont décidé de mettre une phase de shoot. Est-ce que tu te sens plus en sécurité? Non. Au secours, ils sont trop nombreux. Ah, ça veut dire que je viens t'arriver. Je vais être dans la phase où il y a le poisson rouge
Et moi, je suis... Merde! Oh non! Tire-lui dessus! Vas-y encore! Je peux pas? On fait! Pourquoi je peux pas? Tu pouvais pas lui viser? Et ça doit être comme quand on court. Comment ça? Ça veut dire que quand elle nous vise, on peut pas courir. Ouais. Je vais essayer de lui viser un trogneux. Ouais, donc plein dans la lumière, je pense que ça peut lui faire du mal. Essaye de la perdre de vue pour qu'elle te perde de vue. Cette fois, je ne m'enfuirai pas. Oui, bébé. Là, on est en plein phase de monstre boss. Vas-y. Va te cacher, Quenelle. C'est bon, t'as perdu, elle te cherche. Recharge. Voilà. Dès que t'auras un petit peu de temps. Vas-y là, tire. Oh, mangez la Quenelle. Merde! Elle a mangé la Quenelle. Comme on dit jamais 203. Ouais, mais vieux, mieux vaut deux fois qu'une. Pardon, excusez-moi. Oh non, ça va, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma paupiette. Le micro, il est là, pour vous dire. Cette fois, je ne m'enfuirai pas. Tire-lui dans le cul. Palpite. Pardon pour les gros mots, mais ça m'énerve. Je vais la voir. Dommage qu'il n'y ait pas The Grudge. Ça aurait été marrant une confrontation The Grudge ou Quenelle. Non. Ça aurait été drôle. Non. Si, ça aurait été très 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 drôle. Allez, 3, 2, 1. Cette fois, je ne m'enfuirai pas. Oui, bah, tu l'as déjà dit 3 fois et 3 fois. Vas-y, encore. Tu l'as mis KO. Attention. Cours, Quenelle, cours. Cours, il y a des balles. Oh non, vas-y. C'est bon, t'as perdu. Attends qu'elle se retourne et tire-lui des balles dans le vagin. Va près d'elle quand elle est couchée. Ouh. Pas trop aimé ça. Encore. La pute. Je pense qu'en fait c'est ça, il faut la mettre par terre et après lui tirer dans son... Ou pas, tout simplement. Oh non. C'est le passage avec les intestins. Reprends toutes les balles. Refouille la zone. C'est Vic qui t'envoie. Ouais, attends. Tu lui transmettras le message. Bouillard! Ah, on a pris notre revanche sur la mouche. Et ça fait plaisir. Hein? C'est pas de balles, ça? Il y a pas de balles? Toutes les balles ont disparu, tu sais, maintenant qu'on a battu le boss. C'est ça. Il y a pas de balles? Bon Dieu! Il te reste combien de balles? Ok, recharge. Bon. Mais en tout cas, on l'a vaincu et ça fait plaisir. Gilman? Oui? Vous êtes là-dedans? Oui! Ouais. Sébastien? Ah, on marche sur du gras. Gilman, c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est pas là où on va tirer sur Sébastien Castellanos. Si. Si vous n'étiez pas venu. Ne vous relâchez pas. Il y en a sûrement d'autres dans les d'accord, parages. D'accord, on est... Là, il va y avoir une mitrailleuse. Ah non, c'est pas une mitrailleuse.
Sébastien, te transforme pas, Sébastien. Sébastien, qu'est-ce qui... Tu vas devoir jouer encore avec Joseph. Courez. C'est ma responsabilité. D'accord, elle lui a pas tiré dessus. Elle a tiré sur Uvik. Oh. Qui contrôlait Sébastien? Je m'excuse de vous avoir mêlé à tout ça. D'accord. Je vous ai déjà fait suffisamment de mal comme ça. On comprend mieux, finalement. Tous ces Il pourrait se servir de vous pour m'arrêter. Leslie! Plus ça va, plus son jean est troué. Attention avec cette arme, Kid. Et sérieux, qu'est-ce que vous comptez faire? Tirez sur Leslie! Ce qui doit être fait. Non! Vous faites ce qu'on vous dit. Vous allez ramener ce garçon ou vous disparaîtrez. C'est l'heure de courir! Vous pensez vraiment pouvoir faire quelque chose pour arrêter ça? Vous ne comprenez pas! What? Je suis morte, je crois. J'aurais bien aimé que la tête, elle explose. Non. Ça aurait été drôle. Non. Mais je sais pas où il fallait tourner, là. À droite? Ah, j'avais pas vu. Tu sais, il la tient comme ça, et tu vois sa tête gonflée, faire plach. Oh, ça aurait été génial. À droite? Ouais, à droite, à droite. Vous pensez vraiment pouvoir faire tout quelque suite, chose pour à droite, ça. Maintenant. Arrêtez vos sang. Je ne comprenais pas. Ça arrive. Nous n'avons pas... Oh, à gauche, à gauche. Ah, putain. Je suis morte deux fois. Mais c'est étonnant, c'est que ce mec, il a une influence directement alors qu'il n'est pas connecté au STEM. Comment ça se fait? C'est Mobius. C'est bizarre. Ou alors c'est peut-être ce qu'ils lui ont injecté, ce qui fait qu'ils ont une emprise dessus. Je sais pas. Et de toi. Bon allez, dans droite et gauche. Vous pensez vraiment pouvoir faire quelque chose pour arrêter ça? Merde. Vous... Oh. Donc là c'est gauche. Ouais. Nous n'avons pas... Oh. À droite. Oh, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est la gros... Oh, d'accord. Et du coup, elle va arriver pile poil à l'endroit. Ouais. Au camion. Tout est lié. Joseph. Mais il est mort. Ah non, il est pas mort. Qui marche. On va voir ça tout de suite. Merde. Non, pas le camion. Pas le camion. Qu'est-ce que vous foutez? Ah, elle va conduire le camion. Oui. Répondez, Kida. Non. Allez, Kenel, c'est l'heure de conduire! J'ai pas mon permis! Quel merdier! Je t'aime bien, Kidman. Oh, même pas! Attends, c'est peut-être après. Ouais, mais on va s'arrêter là. Ouais, c'est clair. Ça fait déjà un très bon épisode. On a terminé le chapitre. Tu sauvegardes au deuxième? Ouais. Là? Non, pas au premier. Là? Voilà. Et bah, on s'est vraiment très bien débrouillé. On a fait la fête à la mouche. On a géré les phases. On est mort. Elle est morte quelques fois, mais on va lui laisser, sachant qu'elle a peu ou pas beaucoup joué au jeu. Hein, exactement, tout. Exactement. Mais en tout cas, on s'amuse comme des petits fous. Et j'espère que ça vous plaît autant. Oh ouais, c'est clair. Donc, en attendant, oui. On vous souhaite tout plein de bonheur. Et plein d'épisodes. Plein d'épisodes? Bah, j'ai bientôt la fin. Mais c'est pas grave. Bah ouais.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à liker, à faire tout ce que vous aimez, à partager. À vous abonner. Oh yeah, bébé. Voilà, dans tous les cas, si ça vous a plu. Et sinon, bah, à ciao tout le monde. Merci de nous avoir regardé. Salut. Bye bye.